Ok, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ark. Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Bref, bah aujourd'hui, bah en fait c'est une toile, hein. C'est une toile dinosaure et ça te permet de protéger ta base sans pour autant fabriquer des vraies tourelles. Oh, Lee a été tué pour un giganoto. Ah, d'accord. Ça commence bien. Du coup, ça permet de protéger ta base sans pour autant utiliser des vraies tourelles. Des vraies tourelles qui utilisent des balles et qui font beaucoup de ressources. Donc, en gros, l'idée là, vous voyez, il y a des tours, des miradors comme ça. Et l'idée de cet épisode, ben, ça va être tout simplement de faire de la reproduction de cette bestiole là-bas. Voilà, que vous voyez ici tranquille. Et de les positionner sur cette tour. Et puis voilà, tout simplement. Alors pour la reproduction, comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors dans la base, ça a un peu évolué. Bon, j'ai un peu plus de campi. Alors comment ça se passe? J'ai tout simplement ce générateur d'électricité. Voilà, et j'ai ces climatisations. Godzilla se rebelle. Aïe aïe aïe. Et du coup, là, le générateur d'électricité, il faut de l'essence. De l'essence, j'ai des puits de pétrole. Quelque part sur la map que je vais pas vous montrer évidemment parce que ça c'est des ressources tout bonnement importantes. Ah ouais, elle se fait défoncer par son giga quoi, dommage. Bon bref, du coup qu'est-ce qui se passe? Attends, faut que je lui demande. Quand même je me demande si elle a besoin d'aide parce que là elle va se faire spawn kill par son propre giga. Bon du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? On allume, je vais allumer après, je vais d'abord parler. Vas-y, vas-y, stop. On va allumer ça. Et ici, en fait, il y a des climatiseurs. Ok, c'est bon. C'est bon pour elle, elle s'en est sortie. Il y a des climatiseurs. Et les climatiseurs donnent la température parfaite aux œufs. Donc, du coup, on va allumer. Et on va aller chercher des œufs de comment ça s'appelle? De ces trucs-là, là. Vélonazor, ça s'appelle. On va aller chercher les œufs de Vélonazor. Alors les autres vélonazors, ici j'en ai un, j'en ai un deuxième. Alors j'espère juste, je vais me prendre de la bouffe aussi. J'espère juste que ça sera un mâle et une femelle. Ça serait vraiment top, comme ça je pourrais les accoupler après, les reproduire. Sinon il va falloir que j'aille en chercher un. Ça c'est des œufs de la tribu, hein. On m'en a donné, John de la tribu me les a donnés. Et j'ai aussi un autre œuf normalement quelque part si je le retrouve. Ah ouais, j'ai un œuf comme ça là. Œuf fécondé de giganotosaure. Donc on va le faire aussi, hein. Aujourd'hui, on va faire de la reproduction. Alors, je vais les jeter. Paf, paf. Alors, les bros. Trop froid? Comment ça, trop froid? Eh, on n'est pas fou, hein? Comment ça, trop froid? Tout est fermé. Ouais, normalement, la climatisation, elle est chaude. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, trop froid? Ah, voilà, incubation. 3 minutes, ok. Je les avais jetés trop loin de la clim. Vas-y, vas-y, réchauffe-toi, toi. 3 minutes. Et l'œuf de giga, on va attendre. Hein. On le mettra après. Et ça, c'est un frigo, au passage. Ça, c'est un frigo, voilà. Paf. Ça, c'est un frigo. J'ai des Quetzals aussi. Ouais, je les ai fait se reproduire. Ouais, je les fais en off. Hein. Je les fais en off. J'ai Charles. Charles et Victorine. C'est les deux Quetzals que vous voyez ici. On va aller leur dire bonjour. Hein. Pas très pratique chez moi, mais bon, c'est pas grave. What? Me ferme la porte au nez! Vas-y, alors pour aller là, la petite astuce c'est d'aller là et là. Alors, Charles, je l'ai peint. J'ai essayé de le peindre, on dirait un peu un poulet. Alors, Charles, montre-toi. Montre comme tu es beau. Je l'ai peint, hein, parce qu'il ressemblait pas du tout à ça. Voilà, enfin, bref. Et ce que j'ai fait en off aussi, c'est que j'ai pris le Diplodocus qui est là, là. Hop là! J'ai pris le Diplodocus, il me sert à construire. Il m'a servi à construire ça. Regardez, je me mets là, paf. Et après, je peux poser des trucs ici. Et ça, c'est top. Et il s'appelle Zinedine. Parce que le Diplodocus, quand il se bat contre toi, il met des coups de tête, tout simplement. Les bébés. Ah, j'espère qu'il y aura un mâle. Prions pour qu'il y ait un mâle. Un mâle et des jumeaux, ça serait top. Ok. Toi, t'y es né. Et ton frère ou ta soeur? Vas-y, tu fais quoi? Fais quoi l'autre? Ok. Bon, on va les adopter, on va pas leur donner de nom, hein. On va vite leur donner à bouffer. Viens là.
Ok. Là, ça, c'est une femelle. Ok, je donne à bouffer vite. Je donne à bouffer vite. Et ça, c'est un mâle. Oh, nickel. Ah, oh, j'ai de la chance. J'ai vraiment 197 comme level. Et lui? 217. J'ai full chance. Hein. Full luck. Autre option. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va désactiver la promenade. Comme ça, ils vont m'obéir au doigt et à l'œil. Il a besoin qu'on prenne soin de lui dans 4 minutes. Et là, dans 4 minutes aussi, c'est super. Le temps d'imprint a été baissé du coup. C'était une demande toute particulière de ma part. Mais c'est cool. C'est vraiment cool parce que j'aime bien faire les imprints. Comme ça, ils ont un meilleur level. Et maintenant, vous allez me suivre les bébés, venez. Allez. On sort. Vous allez au grand air direct. Allez, 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 allez. On vient ici. Bon, les gachas et tout, j'ai tout rangé. C'est bon, ils m'ont saoulé, les gachas. Quand j'aurai besoin de ressources, je les ferai sortir. Mais là, ils m'ont gavé, hein. Les gachas aussi, je les ai fait se reproduire pour avoir une ressource particulière. Je vais vous montrer ça de suite après. Parce que c'est tout bonnement incroyable. Vas-y, vas-y. Toi, tu me suis pas. Voilà, vous calmez de suite. Ah, de suite. Alors, qu'est-ce que tu veux? Cure de la... Ok, et toi? Croquette exceptionnelle. Alors, les deux trucs qu'ils me demandent, je les ai pas. Ils vont me saouler, eux. Chair de poisson supérieure. Rends pas fou, wesh. Ok. Et toi? Toi, t'as assez de bouffe. Vous voulez pas faire des balades ou des trucs comme ça, là? Vas-y, vas-y. Vas-y, demande-moi autre chose, là. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Veut être nourri à la main avec Amar Berry. Amar Berry, ça j'en ai là. Accéder à l'inventaire. Ça a crash. Ah non, putain, j'ai eu peur. Amar Berry, c'est quoi? Azul Berry, Mejo Berry, Tinto Berry, Steam Berry. C'est celle que j'ai pas. Bon, attendez, je vais lui mettre de la viande avant qu'il crève aussi parce que ça serait quand même terrible. Vas-y, j'arrive pas à m'occuper de bébé moi. Amar Berry. J'en ai où de ces trucs-là, là? Tiens, bouffe. Amar Berry, c'est les jeunes, non? Amar Berry, voilà. Ah, ça mange de la... Des herbes, ce truc-là? Tiens. Voilà, Amar Berry, toi c'est bon. Ok, et tu bouges plus, hein. Tu rends pas fou? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais vous montrer les l'œuf de Giga, du coup. Alors, l'œuf de Giga, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau d'une autre équipe, l'équipe de Renaudom et Drake, pour ne pas les citer. Donc je les cite. Et bah merci à eux du coup. Merci à vous les bros, c'est sympa. Alors l'œuf des gigas, ça va être plus lent ça par contre. Sa mère, il est gros. Comment ça trop froid? C'est trop froid. Comment ça c'est froid? Faut ma gueule? Ok, bon. Au grand mot, les grands remèdes. Là me dis pas qu'il fait froid, ça casse les yeux quoi. Me dis pas qu'il fait froid hein, le giga. Je te bute. What the fuck, 2h29 d'incubation. Ah oui, j'ai bien fait de le lancer de suite. Ah oui, quand même, hein. 2h29 d'incubation, c'est long. Ouais, bon, peut-être qu'on l'aura pas dans cet épisode, hein, du coup. Ah oui, aussi. Regardez ce que j'ai fait. Ces magnifiques ailes, là. Ah ouais, ces petites ailes. Bah, du coup, en fait, il fallait les gachas pour faire ça. Bon, je vous ai passé tout ça. Hein. Il fallait trouver des gachas particuliers, c'était extrêmement long. Du coup, on a pu faire ça, et on va les tester. Et du coup, vous voyez, ma maison est ici. Donc, Charles. Tu me suis, hein. Alors c'est bien, hein. What? Enfoiré, Charles! Et du coup, les ailes. Voilà. On déploie les ailes tranquillement. Et on peut planer comme ça pendant, mais genre 300 km. Vas-y, Charles, pourquoi on rend pas fou, hein? Charles, rend pas fou, j'ai dit! Let's go. On va au drop, hein, tranquillement. C'est trop stylé, vraiment, c'est clairement trop stylé quoi. Les trucs qu'on peut faire, incroyable. Le seul truc qui est dommage, ouais, c'est qu'on puisse pas faire de piquet, on est obligé de faire comme ça quoi. Bon, allez, après tu te casses un peu les jambes par moment, mais bon, c'est pas grave. Ok, le drop de la merde, mais c'est incroyable, de la merde. Il est où Charles? Charles! Charles! Voilà, viens là. On remonte en hauteur, on reprend l'altitude.
On prend l'altitude et on se casse. Et on rentre à la maison. Parce que Charles, il vole vraiment à 2 à l'heure. Alors évidemment, on est dans Ark. Hein. Évidemment, on est dans Ark, dont rien ne se passe jamais comme prévu, évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu ici? Bon, déjà, vous allez vous calmer. Hein. Vous me suivez, d'accord, mais bon, pas besoin de me coller à ce point-là. Ok, restez là. Alors, ce qui se passe pas comme prévu, c'est lui, là. L'œuf de Kigu. Regardez sa vie, 29% de vie de l'œuf. Parce qu'en fait, je l'ai laissé ici. Et il avait trop froid dans la nuit, mais par contre, dans la journée, il avait trop chaud. Pour ça, j'ai éteint une torche ici. Et du coup, en fait, il faut pas qu'il y ait un autre oubli, parce qu'il va crever. Genre, l'œuf va mourir. Et j'ai 2h22 encore à tenir. Donc, j'ai plus le droit à l'erreur. Donc, tout simplement, va vraiment falloir que je reste à côté, quoi. Vraiment falloir que je reste à côté pour surveiller. Alors, je suppose qu'il y a une technique un peu plus simple. Pour faire grandir cet œuf à une température parfaite, disons-le. Peut-être que je rajoute des climatiseurs à l'intérieur, je vais essayer. Hein. Je vais faire une promenade avec moi. Et toi, tu veux quoi? Bah, viens, on va faire une petite promenade. On va jusque là, hein. On va pas très loin. Viens. Fous de ma gueule. Allez. Voilà, très bien. Allez, on retourne ici. Peut-être que si je rajoute des clims, peut-être qu'il en faut plus, je sais pas. Je vais essayer de rajouter des clims parce que je peux pas rester là. Merde, ouais. Wesh. Wesh, elle me pousse dans le feu. Mais t'es une malade. Putain. Mais lâche-moi. Je vais être obligé de la cryo, quoi. M'a bloqué. T'arrives. Je reprends l'œuf, hein. Pas de risque de despawn de l'œuf. Ici, on va éteindre, on va faire en sorte de que ça fonctionne avec les clims. Parce que je vais pas rester 2 heures à côté, en fait, hein, tout simplement. Il veut quoi, lui? Câlin, vas-y, tiens, prends ton câlin. Merde pas. J'espère que ça va marcher. Je sais pas, peut-être que je suis en train de faire n'importe quoi. Hein. Bon, en tout cas, elle fonctionne toute. Si je lâche l'œuf. Incubation. Et voilà, parfait. Je fais pas n'importe quoi. Vous croyez quoi en fait? Et là, normalement, la température ne changera pas. Parce que c'est fermé. Logiquement. Faut juste que j'ajoute un peu d'essence à l'intérieur là. Ici, j'en ai beaucoup. Alors, déjà, toi, tu vas t'éteindre. C'est bon, hein, pas fou. Ici, paf. De l'essence là-dedans. Il reste combien? 86, c'est énorme. Hein. Rien que 86, ça dure très longtemps. On va quand même venir vérifier de temps en temps, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir une petite surprise avec mon œuf de giga qui aura des spawns. Mais voilà. Ok, bon, bah le temps a passé, hein, le temps a passé, évidemment. Alors vous voyez que les Vélonazors, bah ils s'appellent tous DCA, sauf lui, c'est le premier que j'avais. DCA, 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 DCA. Vous voyez ce que ça donne, hein, avec la magnifique luminosité de Ark. Ça rend fou, en vrai. Ça donne ça, en vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça protège. Hein. Que trépas si je faiblis. Donc du coup ils sont comme ça, voilà, ils sont comme ça sur des tours. Ça a été plutôt chiant de les monter là-haut, donc j'ai été obligé de faire des escaliers et tout. Les petits sont devenus grands, ils sont placés là-haut. Je vais continuer à faire la reproduction pour en mettre là et là tout le long un peu. Et le giga va pas tarder à naître. On va assister à ça avec Lee et Azara. Re, m'entendez? Re. Ouais. Ah non, je croyais que j'allais faire une vidéo, c'est pour ça que... Ah, la naissance du giga. Une minute. Si, si, je fais une vidéo, là. Ah. Il est toujours plus nu. Sérieux? C'est parce que j'ai pas de polymère. Bah, donne-moi du polymère aussi. Faut que tu ailles buter des mantis ou des trucs comme ça, là. Non. Je sais. Je vais te buter, hein. Mais quoi? Bon. Est-ce que mon bébé giga peut naître dans la paix et la sérénité? Ah ouais, le giga va naître, roulement de tambour. Insupportable. Insupportable. Il est né. Ouais, il est né. Ouais, il est trop beau. Tu vas être jalouse. Ah non, moi j'ai le plus beau, hein, tout noir. Ah bah le même. Vite. Viens là, mais... Petit giga. Donne... Jette... De la bouffe, vite. Voilà.
Bon, par contre, la torche, là, c'est bon, on a compris. Ça a été plutôt chiant de le faire naître, finalement, hein, vous avez vu, il est là. Il est pas... Ok, on arrête la clim aussi, là, c'est bon. Ah, j'avoue, il est dégueulasse, il est bossu, il est infâme. C'est laid, hein. Ah, c'est trop laid. C'est trop laid, gros. Mais bon. Ah, mais il est chiant. Ouais, il est chiant, il est à peine né, il est déjà chiant. Viens là, suis-moi. Désactiver la promenade. C'est quoi, c'est un mâle? C'est un mâle! Moi je vais ranger. Hein. Non, non, les campis, tu les laisses, les pauvres. C'est ah, leur maison, c'est pas la tienne. Ou quoi. Ah, ouais, c'est possible. Oh, le giga. Bon, bref, bon, du coup, alors on a un bébé giga, level 122. C'est pas mal en vrai. Ça va. Et du coup, on va le faire grandir. Mais c'est hyper long, non? Bah, je pense, ouais. Après 18 heures intensives de prog. Non, c'est pas de la prog dans Ark. C'est de la reproduction. On est toujours en train de le faire. Hein. Vélonazor, Vélonazor 2. Bah, quand tu te lances dans la repro, c'est fini quoi. Elle est où ta Wyvern? Ah, tu l'as pris. Le giga qui grandit, mais le giga grandit très doucement. Hein. Oh, mais elle est chiante! Et là, vous voyez un des membres de la tribu qui a été bien accueilli encore une fois. Pinux. Voilà. Là, normalement, il a les menottes au poignet, ça se voit pas, mais normalement, il a les menottes. Et il pourra juste plus sortir d'ici. Par contre, comment tu fais pour le forcer à boire de l'eau? Bah, c'est toi qui lui mets une gourde et tu le fais boire. Ok. Parce qu'il va crever, hein. Maintenir les options. Accéder à l'inventaire. Et du coup, là, on peut mettre une gourde. Parce que fais voir son eau. Ah ouais, c'est terrible, tu peux... Il s'est réveillé! Mais... Merde, je l'ai tué! Mais quoi? Mais comment ça, il est mort, j'ai mis une fléchette, c'est tout. Oh non! Oh non, je suis deg! Mais il a pas... Bon, bah, on va le mettre là, hein. Mais il a 3 HP, c'est pas possible! Bah, ils en sont où Par contre, c'est tellement long. Le giga. Non, mais c'est une horreur. C'est incroyablement long, quoi. Et encore, genre... moi, je m'en fous parce que quand je vais faire les miens, je vais pas leur faire les croquettes et les machins et les promenades. Et... Ouais, tu vas cheat. Tu vas leur mettre un giga level. Non, non, je vais juste les laisser grandir en fait, tout seul. Pourquoi j'ai pas tiré avant? Je voulais te tirer dessus il y a 2 secondes. Et il fallait. Et je savais que tu voulais tirer. Non, tu savais rien. Fais pas ça, Tony. Tout ça parce qu'il a loupé avec Pinux. Eh ouais, c'est terrible. Mais. Voilà, on est ensemble. Putain, mais. T'imagines, on peut plus ouvrir. Voilà. On va voir, hein, on va voir ce que ça donne du coup. Là, je vais couper le vocal, comme ça on sera tranquille. En vrai, tu vas pas mettre super longtemps à mourir, je pense, non, parce que tu non, vas être assoiffé. Ça va pas être long, ça va être le hashtag ban. Qui va pas être super long, hein. Là, tu prends un petit tricot. John, tu fais quoi, là? Je me balade, je fais des munitions. Ouais. Tu peux te balader sur Tugmar et lui tirer une tête. et venir me libérer, s'il te plaît. Moi j'ai qu'une arme ça, quoi. Corps à corps, j'ai pas d'arme. Lol. Attends, on va prendre une petite photo du trophée là, t'es où? C'est de pire en pire les miniatures, je te jure. Je vais buter, t'es où? Mets-toi bien derrière moi, hein. Mets-toi rien du tout, t'sais quoi, je me Il est trop bien ce jeu, je te jure. J'adore, quoi. J'adore d'avoir la possibilité de faire. Et de pourquoi faire des trucs t'as amené sur ce jeu, moi? Bah ouais, fallait. Bah non, Azara. Tu peux dire, ouais, c'est nul. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens le buter. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Azara, viens m'aider, s'il te plaît. Elle a besoin de les Wyvern. Mais par contre, tu vois, je m'occupe de ta Wyvern. Ça, ça. Il y a des choses importantes dans la vie, quand même. Bah oui, il fait peur, mais moi, il m'a enfermé dans une cage et. Et je suis menotté, Azara.
Elle est menottée dans une cage. Ouais. Bah attends, ma foi, au bout d'un moment, quand tu traînes chez moi, faut s'y attendre. Vas-y, je vais te libérer, mais tu te comportes correctement, hein. Non, bah ouais, pas de réponse. Putain, mais vas-y. Je vais faire une balade avec mon giga d'abord. Correct. Je te vois sauter dans la cage. Mais c'est trop nul qu'on puisse ouvrir. Ouais. Mais c'est pas censé. C'est peut-être pour ça qu'ils me mettaient dans une maison fermée, les autres. Ouais, mais si tu... Bah ouais, je te libère. Hein. Ouais. Voilà. Mais même une maison fermée, c'est dans la même tribu. Tu peux enlever les murs, non? Avec les menottes? Non. Ah, tu peux pas? Zara. Juste une petite question. Pourquoi on en est arrivé là? Il va vous prendre un screenshot. Je vais te buter, Tug. Attendez, mettez-vous bien derrière moi quand même, tant qu'à faire. Mais oui, mais je bouge pas. Attends, Zara, tu peux te rapprocher un tout petit peu de la fenêtre? Mets-toi avec moi. Voilà, parfait, là. J'ai pris un screen aussi. Regardez, je vais le buter. Mais mon dieu, ce jeu. Ah, voilà, c'est parfait, là. Et voilà. Et voilà comment ça se finit. Elles ont réussi à se libérer de leur menottes, je sais pas comment. Mon dieu. T'es nul, là, ouais, t'es bien. C'est personne qui t'emmerde, hein. Ouais. Là, quand tu vois ce qu'on vit, moi, et genre... Et lui, il est content, je vais le buter, hein. Quand je passe le mur, t'as de marre. Et voilà. Je me suis endormi tout à fait, quoi. J'avoue, moi aussi. Putain, mais on est con. On s'est endormi de taper, quoi. Mon dieu. On tape les murs, en fait. J'imagine la scène. En fait, non, mais va voir chez... Ah non, tu peux pas y aller, les tourelles. Oh, putain. Oui, il peut venir de l'autre côté, il y a pas de protection. Non, il peut pas, il va se faire niquer, hein. Il peut pas. D'aussi loin? Oh mon dieu. On a même pas la moitié de fait. Bon. J'avoue qu'il y a pour le petit on moment. On arrivera, Zara, mais bon. Ah, mais attends. Il n'y a pas une qui est une torche ou un truc ça, pas une torche, une pioche. Vous avez pas des pioches ou je sais pas, quelque chose d'autre pour frapper voilà. Parce que... Tu tires dessus? Enfoiré. Il s'occupe de ma wyverne. Ta wyverne elle est cryo, elle voulait du lait. Bah sors là, vite. Je peux pas, elle va dormir si je sors là. Mais c'est horrible, la vision du geste. Non, elle t'a mis coup d'épée. Ah ça va, putain, je suis bloqué. C'est bon. Non, non. La rébellion des femmes. Mais j'ai soif. Non. Putain, on a pété les... Non, j'ai pas d'armure. J'ai pas d'armure. Ah Zara, tu le... Mais il s'est tué tout seul. Oh bah il s'est tué tout seul. Oh merci. Je croyais que j'avais une armure, putain. Ok. J'ai une idée. Non. Ah non, t'inquiète, c'est rien. Non. Non. Tu vas voir, mais tu vois, c'est trop drôle pour de vrai. Tu crois que je peux te... Moi, si je vole... Non. T'es où, là? Mais t'es où? Dans le mur. Ah. J'en sais rien, tu me trimbales. Regarde, vas-y, saute. Tu vas être... Ah, tu as les menottes, vas-y. Mais oui, t'es un con, je peux rien faire depuis tout à l'heure. J'ai le cerf-volant. J'ai le cerf-volant humain. Tu vas jusqu'où là? Mais vas-y, ah, saute toi. Ça a rompu le fil. Ah merde. Ah mais maintenant je fais quoi? Attends, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, Tug.
J'ai pas de main et en plus j'arrive pas à me contrôler. Azara. C'est vrai qu'elle te suit. Hein. Merci. Oh putain, je suis menottée. Elle m'a eu en vol, GG. Hein. Je suis menottée, je peux rien faire, je vais te buter. Ah oui, d'avance. Hein. Mais de toute façon, je dois le buter combien de fois, je sais pas, mais... Regardez, comme je suis gentil, je m'occupe de sa wyvern quand même. Regardez, regardez YouTube. Ok, je l'envoie dans la nature sauvage avec des menottes. Vous mais... mais... Tu veux que je te libère ? Là, Yazara, elle retourne dans sa cage après. Regarde ça, quoi. Eh oh. Ça attends, je viens. Voilà. Avec le cadavre de Pinux. En plus, il y a Pinux, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça peut aller trop, par contre, à trop. C'était pas la journée de la femme, d'ailleurs, au passage. Quoi ? Non, attends, ah, c'était hier. Non, c'était hier, ah, c'est bon, tu peux y retourner. Ah là, c'est bon, nickel. Un petit loup, je serais content. Ah putain, mon dieu. Pourquoi t'as tout le temps la tête qui regarde le sol ? Moi ? Ouais. Je suis vénère. Attends, Azara, c'est juste pour tester un truc, je la réveille après. Ouais, c'est des ça, tests, ouais. C'est pour découvrir le jeu. Non, mais c'est incroyable, je pense qu'on peut faire attendre. Tu vas découvrir un lance-roquette un jour. Tu vas ah, ouais, mais... découvrir. Regarde. Qu'est-ce qui se passe là ? T'es où ? T'es où ? T'es, ça bug de ouf là, what ? Putain, je suis dans ça. Juste. Ok. Mon stuff il est où ? Sur toi normalement. C'est pas incroyable. Je suis mort. Ah, merde putain, ça fait une heure qu'il est mort, c'est vrai. Il a du despawn son stuff. C'est Togmar hein. Non. Togmar il nous endort et il nous met en menottes avec des, je sais pas quoi, depuis tout à l'heure. Hein. C'est lui hein. J'étais AFK. Ah, c'est vrai que t'étais AFK, je crois que ton stuff a despawn. Sérieux t'étais AFK ? Mais quel enfoiré. Ah ouais. Mais tu peux t'en refaire ici, t'inquiète. Tu peux t'en refaire plus, mieux. Eh bah c'est ce que je compte faire de toute façon. Aïe. Ah mais serre-toi surtout, parce que... Merde, j'ai endormi le dodo. Moi je suis emprisonné, là maintenant il me rendort. Je suis sous un lit, je suis où là? J'ai dit, j'ai endormi Tandoori, désolé Tandoori. Mais pourquoi tu... Mais qu'est-ce que tu... Mais en fait, je te regardais, il y a Zara qui me met des coups de poing dans le dos. Je me retourne. Et je mets une fléchette à Tandoori plutôt que toi. Mais pourquoi le retour des menottes? Je vais te buter, Tug. Hein. Non, mais c'était pour faire un truc, mais ça a pas marché en fait. Genre, tu vois, en fait, quand tu étais à côté du lit, il y avait écrit... Je voulais pas me coucher. Mais lève-toi, débila. Mais... Mais il y avait... Il y avait écrit menotté sur le lit superposé. Tu peux enlever le lit. Et du coup là tu peux plus bouger du tout. Oh mon dieu. Mais du coup tu... Ouais mais... du coup tu peux faire ça quand même. Et regarde Tandoori là qui est couché. J'arrive pas. Attends. Ouais du coup Pinux, fais-toi tout ce que tu veux en vrai. Juste remets les engrammes à leur place quoi. Si tu veux. Pinux, après. Il a rien demandé. Fais-toi aller sans doute mon lit. Nanani. Je vais buter ta gloire. Pourquoi? C'est ta wyvern qui reste en l'air. Allez dans le ciel là-haut. Mais vous êtes sérieux? Allez la chercher, vous êtes sérieux? Bah attends, je vais... C'est Togmar encore. Ouais. Mais... Mais quoi, t'es sérieux ou... Putain, il m'endort.
il me tape et il me tue. Tu m'as tiré dessus gratuitement. Wyvern, Tug. J'ai glitch, Azara. Raté. Azara laisse le glitch. Hein. Si il glitch, à vie. Hein. Non, mais genre, elle a essayé de me prendre avec son griffon, mais ça a pas marché. Je m'occupe des bébés. Tu es immunisé quand tu t'occupes des bébés. Non. Pourquoi? Pourquoi toi et pas moi? Oh putain, je vois Azara arriver avec des bolas. Azara! C'est quoi ce bordel? Tout le monde s'énerve d'un coup. Par contre, pour qu'il y ait un vélo, Nazor. Putain. Attends. Il y a un vélo qui me suit en plus là. Faut le stopper lui. Il y a une Weaver aussi qui me suit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça part toujours en couille. Mais. Ah putain, mais pourquoi pas toi? Oh non. Oh non. Ah. Et Johnny, quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à tous à courir à poil? Pas être dans la neige, c'est marrant. J'étais chez toi aussi. Oui, non, mais Xylo, je te bute quand je veux, hein, c'est pas ça. Ouais, c'est vraiment une tribu dégénérée. Hein. En plus, avec la petite corruption, non, mais, des... Là, j'ai une menace. Mais franchement, ça se fait tellement pas, quoi. Mais toi non plus. Mais t'es sérieux là? Mais elle était avec des bolas. Mais elle faisait rien, je l'ai vu, elle était debout, elle donnait des coups de poing dans le vide. Non, elle avait les bolas dans les mains, elle était en train de chercher à choper quelqu'un. J'ai vu, hein. J'ai pas paniqué pour rien. Ah, ok. Ouais. My bad, autant pour moi. Elle était là. Elle essayait de choper John ou moi avec des bolas, hein. Je sais pas ce qu'elle faisait. Et du coup, j'ai eu peur. Et ça, j'ai le droit quand même. Non, mais enfin, quand on s'entraide, hein, moi je fais les loups sinistres d'Azara. Non, mais en vrai, on s'entraide. Mais. s'entraide. C'est qui m'a dormi? Ah, j'y suis pour rien. Voilà, la question de la tribu, c'est qui m'a. on s'entraide, hein, mais il y en a toujours un qui dort. J'ai un accord pour Mila à dormir. Non, en vrai, c'est Pinux, un Tugmar, c'est quand tu veux, tu mets une tête. Il est caché quelque part. Je suis au milieu des compis. Ah, mais lui aussi, je vais le découper au bout d'un moment. Hein. Ah oui. Et j'ai tellement mal à l'intention. Tu veux pas m'aider? Je sais pas où il est en fait. En fait, j'ai envie de t'aider, mais j'ai peur de m'en prendre une moi aussi, tu vois. En fait, tu sais pas où il est, ouais. Sur une tour ? Je vais partir avec sa Wyvern, mais je sais pas. Ah oui, il est parti. J'ai vu la Wyvern partir. Ouais. Ellie, jamais tu te réveilles ? Ah, c'est bon ? Si, je me casse avec ma Wyvern et mon Ptera. Je vais juste voir les bébés campis qui m'y allaient. C'est bon, tout le monde se barre de chez moi, là. Non, je vois. Ah. Oh, c'est bon, ça va enfin se calmer. Ok, bon, comme vous pouvez vous en douter, on est très longtemps après. Ce giga a été extrêmement long à faire monter, surtout dans ces conditions terribles d'invasion de base par ma propre tribu. C'était un calvaire pour moi de vivre ça. Vraiment, une difficulté incroyable. J'ai dû me défendre. Hein. Ça se voit pas trop dans tout ce que vous venez de voir, mais j'ai tout simplement dû me défendre. Alors en effet, on dirait que je suis un peu agressif envers les membres de ma tribu, mais ce n'était que de la légitime défense. Bon, du coup, le giga, là, hein, revenons-en à lui. Tout ça, c'était pour ça, pour faire tout simplement de la reproduction et des imprints, c'est-à-dire les imprints, c'est les faire évoluer quand ils grandissent. Bah, en vrai, l'objectif est atteint dans cette vidéo. Bon, évidemment, vous pouvez vous en douter, ça a pris plusieurs jours. Voilà. La base est entièrement protégée, notamment par tous les vélonazors qui sont ici.
Le giga, bon, il est tout éclaté parce qu'en fait il a beaucoup de points de vie et il les gagne plus doucement que la vitesse à laquelle il grandit. C'est normal qu'il soit tout balafré. Le giga est bientôt fini. Il est à combien? 94%. Donc je pense que bon, on va considérer qu'il est adulte. Hein. On va considérer qu'il est adulte. Et évidemment, tout ce qui s'est passé dans cette vidéo a eu des conséquences terribles. Regardez ça sur mon personnage. Regardez cette horreur. Regardez ce qu'ils ont fait. I love l'ITV, il y a écrit là. Ils m'ont fait des cœurs. Azara. Là, il y a écrit un truc. John. Voilà. Il y a eu, j'ai l'impression, une vendetta contre moi. Je sais pas pourquoi. Hein. Moi, c'est juste de la légitime défense, hein, je le répète. Bref. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici. Évidemment, prochain épisode, mon giga sera adulte et full adulte. Et on le montrera. Mais là, je vais pas le finir. Hein. Je vais pas le finir. 80... C'est hyper long. Rien que là, pour ces 6%, il y en a pour. Allez, j'irai une demi-heure. Donc, on va considérer que c'est fini. Hein, mon bro. Hein, mon bro, que c'est fini. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bon, écoutez, parfois c'est un peu du craquage quand on fait la reproduction pendant des heures. C'est vrai que. Il y a des moments où on flanche et qu'on se transforme en véritable monstre. Mais bon, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, tchuss tout le monde. Petit bonus, voilà. Du coup, bah, c'est petit bonus de fin de vidéo, hein, tout simplement. Lise est déconnectée. Bah, j'ai coupé les cheveux à Zara aussi. Je l'ai agressé, je pensais que c'était elle qui m'avait fait ça, mais en fait, bon, évidemment, c'était Lee. Qu'est-ce que... Ah. Regardez ce qu'elle vient de me donner à Zara. Des colorants. On va lui faire un dernier petit dessin, je sais pas. Bon. Après, moi, je suis pas trop un artiste, hein, vous connaissez, niveau dessin, je suis pas très fort. Donc, je fais des gribouillages. Je fais des gribouillages sur le corps de Lee, comme ça. Tout simplement. Histoire de faire... Après le violet ça se voit pas trop. Histoire de je sais pas de faire quelque chose. Bon, évidemment j'ai marqué quelques trucs. J'ai fait des petits dessins, on peut peut-être en rajouter un. Franchement j'espère que ma vidéo va pas être démonétisée pour ça quoi. Genre ici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ouais. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Je pense qu'elle va découvrir ça dans cette vidéo. Bon, bah écoutez, c'est le vrai ciao. C'est le vrai ciao de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Togmar. Tac. Ah, y a pas le R, on va le mettre là. Tac. Et puis, likez. Kiffer et puis bah à la prochaine. Allez, tchuss.